Un pied 1111 cousin, intérieur on cite, un point, ii, un tilt infin, itissir et avait du serix ou dire, et un 1,11110, 1,15111, ivé, tic le vir et en haut demoiselle, le ilitiril vmililéden irsp, un 2 point haut liti histoire, le ma, nirdifen n premier, tfliti 1, ol, pi un point un laissel plus per plow live, un iton yait, pluie, it, 11, 111, e, 1, ip, tendre, avec preuve la pi, pi son petit cousin, Cyril Akirklis, vivait depuis 4 ans sans citreman avec une femme qui lui avait déjà donné 2 enfants, et qui était sur le point de lui endormir un troisième. Cet état de choses avait-elle découvert parmi 6, 1020, sa tante se lia, qui déployait un grand zèle à mener ce genre d'enquête, et dont la propre lettre entrait en ligne de compte. Il y fallait, écrivait-elle, convaincre Cyril d'épouser cette femme sans délai. Cyril, à tort ou raison, s'indigna d'une telle intrusion dans ses affaires et se refusait à admettre qu'il ait la moindre raison d'avoir honte de lui. Avait-il de quoi avoir honte? Se demanda Catherine et elle prit la lettre de sa tante. Souviens-toi, écrivait-elle dans son exposé grandiloquent et diffus, qu'il porte le nom de ton grand-père, comme le portera aussi l'enfant qui doit naître. Ce pauvre garçon est moins mal aimé que la femme qui l'abuse, le prenant pour un gentleman, ce qu'il est en effet, et pour un homme riche, ce qu'il n'est pas du tout. Oh, dirait Ralph des âmes de tout cela, se demanda Catarino en se mettant à marcher de long en large dans sa chambre. D'un geste sec, elle écarta les rideaux et, l'instant suivant, se retrouve face aux ténèbres, distinguant à peine, au dehors, les branches du platane et les lumières jaunes d'une maison voisine. Temps restant dans le livre. 11h53 minutes 20,111,16, 111 il lit, 1, 11 ptp mpli songe atl, immobile, le vent 1,1 ip 11 pied io, milit vigie, rerne, comme soit li, t 111 de ligue, minimum, le si il sa son visage et se perdre 1111 dans le nomi de 1, un imim te laissa aussi entrer dans la p 611,111, 111,10611,111 watt arthur de la ville. Ce boindonnement incessant est 1,1 ii, 111,1 ti, t 1 olin, ii un lié semblé, en CRT instant, les psy sentait la substance iricisme de son existence, car sa vie était prisonnique de tant d'autres vies que son cheminement propre était inaudible. Les gens comme Ralph et Mary, se dit-elle avec envie, avaient les coudées franchées tout l'espace devant eux, et elle se prit à rêver d'un territoire désert sans toute cette mesquinerie entre les sexes. Où la vie ne se réduirait plus à un tissu d'intrigues et de complications entre les hommes et les femmes. Même après sans qu'elle était seule, la nuit, à contempler la masse informe de Londres, elle ne pouvait oublier ses fils plus ou maintenus qui la reliaient à tel et tel point dans l'espace. William Rodney, en ce moment même, était assis au centre d'un minuscule cercle de lumière quelque part à Pest, non pas absorbe dans sa lecture mais l'esprit tout pluine d'elle. Elle aurait voulu que personne au monde ne pense à elle. Malheureusement, lui n'y avait pas moyen d'échapper à ses semblables, conclut-elle avec un soupir avant de refermer la fenêtre et d'en revenir une fois de plus à ses lettres n'en pas douter. La lettre de William était la plus sincère qu'elle ait jamais recueillie de lui. Il en était arrivé à la conclusion qu'il ne pouvait pas vivre sans elle, écrivait-il. Il y croyait la connaître et pouvoir la rendre heureuse, et pensait que leur manage serait différent des autres manages. Quant au sonnet, en dépit de sa perfection tant restant dans le livre, à 1h52 minutes 20,01 l'aile, il le 11.1111111, 111 p1, dit, 1.1.111n, et 0, mul.11, rbli, li, et zlp page km 11,11 it vofi et liel 0, 1 yotai 01110 devrait rmpr pnrir sec sentiment 1 suppose qu'il point 0, livi, 10. 11 TI 110 puis viol dre à ressent, titin soil, dévêt en vesf.1 millilitre inco, p, ismicien, virgule 1, ivité soigneuse limite de Louis CCPS païté site, opt 11, 1111, ispt, aprps tout, spdie 11, 3, songeant à scs parent s, 111 e, o, plc livil, irir, nilt 1111 elan et yelt, t intérieur d'eau, sa botte, sa condition et ses engins familiales.
Elle avait 160 rectiles et déclarations d'amour de plusieurs jeunes gens de ZIE de Elsie Pousse mais peut-être parce qu'elle ne partageait pas leurs sentiments, elle n'avait jamais pris cela très au sérieux. N'ayant jamais été amoureuse, elle s'était inconsciemment forgée depuis quelques années une image idéalisée de l'amour, du manage qui en était l'aboutissement et de l'homme susceptible de l'inspirer. Et bien sûr, ce qu'elle voyait autour d'elle ne pouvait soutenir la comparaison. Son imagination peignait sans effort des tableaux auxquels sa raison n'apportait pas la moindre retouche, des fonds superbes qui projetaient une lumière chaude mais irréelle sur les événements au premier plan. L'amour, revêt-elle, avait la splendeur des eaux tumultueuses qui tombent avec fracas du haut des éperons rocheux et s'abîment dans les profondeurs bleutées de la nuit. Il se gonflait du flot de la vie même qui l'entraînait jusqu'à l'apothéose de l'abandon absolu et définitif. L'homme, aussi, était un héros magnanime qui chevauchait sa noble monture au bord de la mer. Ensemble, US traversait des forêts, US galapait sur le rivage. Maïs, quand elle était éveillée, elle était capable d'envisager un manège sans amour, comme quelque chose qui se tend restant dans le lire. À 1h51 21 faisait des 111, ni, il y tief, notamment Itzelin Jin tient, un tilarité, 1.11, un watt, rinquadgli à 11e point 1111, 11 Steve, on titi fin de vie dans le, iri, LPSPC, on 6 PS physivant dans la EMI, 116,11.0, 1,1, 0, i. PT sur Ernest SCS Matanlatique Maël Savaï FHIPR et qui il devait aller voir son pen, avant Gni, nos montes ses coliques Lifions Fal, al discuter du cas de Cyril Allardis, prudit en considération les illusions de sa mère et les droits de la famille. N'ayant elle-même aucune vague mot d'OCC quoi tout cela impliquait, elle était obligée de consulter son père. Elle prit les lettres et descendit. Il y était plus de 11h et les horloges régnaient en souveraine, le tic-tac de la grande horloge du vestibule rivalisant avec celui de la petite horloge du palier. Le bureau de Monsieur Ilbury, situé au rez-de-chaussée à l'arrière de la maison, était un lieu très silencieux qui faisait un peu penser à une grotte. Le soleil projetant dans la journée à travers la lucarne une lumière toute symbolique sur les livres et la grande table jonchée de papier blanc, apprenant éclair par une lampe verte. C'est là que M. Ilbury corrigeait les articles pour sa revue ou renissait les documents qui permettraient d'établir que Shelley avait écrit zéro des noms pas zéroés, ou que Byron avait dormi à l'auberge de la Tête de Cheval et non à celle du chevalier turc ou, encore que l'oncle de Kay se prénommait John plutôt que Richard car, il connaissait la vie de ses potes dans les moindres details probablement, mieux que quiconque en Angleterre. Et préparait une édition de Shelley qui respectait scrupuleusement la ponctuation du pote. Il y avait conscience du code comique de ses recherches, mais cela ne rempêchait pas de les poursuivre avec la plus grande rigueur, tant restant dans le livre. 11h50 21.011, 11 itic talir, c, 11, l'un, il y, un it pli jprf, l un irrité irrité irrité, 111.111, lycée un top l'un, plus tirmri plapi alit un point, de l'île d'oro, t i l v w onises, it, alt, il y clear clé concis, cans, point lim nepoui alitr, racier rangim 4 ral, quand Catarino WLA dans la pisse, il SR, liquide de point à Vaït CC qui l'amenait et s'empressa de noter quelques mots en crayon avant de lui adresser la parole. Quand il releva les IRIX, il vit lisait et il observa de quelque temps sans en dire. Elle lisait le pot de basilic et vagabondait en esprit dans la lurnière bleue des collines italiennes, au long des alpiques et des glantines rouges et blanches. Sentant que son père attendait, elle soupira et dit en refermant son livre, « J'ai reçu une lettre de tante Celia au sujet de Cyril, père. Apparemment c'est vrai cette histoire de manage, que devons-nous faire ensemble que Cyril se soit conduit très sottement ?» répondit Monsieur Ilbury de son ton mesuré courtois. Les mains jointes du bout des doigts, son père avait l'air si posé paraissait garder tant de réflexion pour lui que Catherine ne savait trop comment poursuivre. « À mon avis, il affiche sa vie en père. » Déclara-t-il. Centaine ajoutée, il prit les lettres que Catherine tenait à la main, ajusta son lorgnon et les lut de bout en bout. Fit-il enfin avant de les lui rendre. Meurou est au courant de rien, fit observer Catherine. Avez-vous l'intention de le lui dire, tant restant dans le livre. 11h48 21 11 11211.1 MHRN, 10,
if, tiens un voltons, 1110 110 litres un essain, 111 secondes 10115. Un étomel maying, 1011, ilit, itiei, i, renovo, rna 11117 11 voltons, 1, 0 à 1, 111 bien essai, corba dans la contemplation du temps, a au nom du cycle, pour si si wa et il est ce 1, un murmura-t-il enfin, sans véritablement s'adresser ici. Catherine, qui s'était mise retire la lettre de sa tante, en cita une phrase, quatre Ibsen et Butler. Il m'envoie une lettre truffée de citations d'Ésonnerie, mais habilement tournée. Ma foi, si la jeune génération a envie de suivre ce genre de préceptes, ce n'est pas notre affaire, remarqua-t-il, mais n'est-ce pas à nous d'intervenir, malgré tout, pour les persuader de se marier, demanda Catherine avec un brin de lassitude. Et pourquoi diable faut il qu'on s'adresse à moi, s'insurgea brusquement son père simplement en tant que chef de famille, mais je ne suis pas le chef de famille. C'est Alfred le chef de famine. Qu'on s'adresse à Alfred, dit Monsieur Ilbury en se renversant dans son fauteuil. Catherine sentit néanmoins qu'elle avait touché un point sensible en mentionnant la famine. Le mieux serait peut-être que j'aille les voir, dit-elle. Je t'interdis de mettre les pieds chez eux, répliqua Monsieur Ilbé avec une énergie et une autorité inhabituelles. D'ailleurs, je ne comprends pas qu'on soit altemêlé à cette histoire, je ne vois pas en quoi cela te concerne. En restant dans le livre. 11h47 minutes 21 nati, virgule 1111 irvei, fit et fer emaili dilit, ictiatir la monsieur ilbotias, liv metic a ta officioti, le latf, tcfi, ixiltic ccquaf pa confiel la bluxe ploton, 1, ipticites 111 p. Petite ter comme ralphi, snatil on meri phhrt, il agit j'ai peu comprise en si vont 1116 me hostile, t'es en ce qui concerne ta meur, reprit monsieur Eyelbury à Pérès un petit silence, pendant lequel il y parut s'intérieur si recé à la couleur des flammes. Tu ferais bien de lui dire exactement ce qu'il en est. Mieux vaut qu'elle connaisse la vérité avant que tout le monde ne commence à jaser. Mais quant à savoir pourquoi attendre ce lien estime nécessaire de nous rendre visite, j'avoue que cela me dépasse. Mais on en parlera rieux, cela vaudra. Catherine voulait bien admettre que les messieurs de 60 ans qui sont très cultivés ANT une grande expérience de la vie pensent probablement beaucoup de choses qu'ils ne disent pas. Mais cela ne l'empêcha pas de regagner sa chambre toute de concédée par l'attitude de son père. Comme il était loin de tout cela, avec elle le jeu rôti recouvrait ses événements d'un vernis de bienséance en harmonie avec sa propre vision des choses. Il ne cherchait absolument pas à comprendre les sentiments de Cyril et n'était pas davantage tente d'explorer les aspects cachés de cette affaire. Il y semblait seulement reconnaître, assez mollement, que Cyril s'était conduit sottement, parce que la plupart des gens ne se conduisaient pas de la même façon. On aurait dit qu'il observait à travers un tel temps restant dans le livre. 11h46 minutes 21, ordo 1111 11 à 11 14 à 1 14 à 11 au 1 14 1111 point virgule 1 virgule 111 pro iri virgule moins 1 virgule 11 1111 c'est zwestomet et tili triper riprp 1 r 0 à 1 rati de la site n'ayant la poussa le tuir main ruinis ivre comporte dans le style lèvre est-ce le petit cesse frunérave vous dit mhc les 11 mètres 1 4 TL son attitude envers, son père était presque ce virégier regard de ses yeux sombres y tête d'une insondable prolongueur. Monsieur Ilbury soupira. Ma chère enfant, cela m'est sorti de la tetonze lissa vigoureusement son haut de forme et fit aussitôt mine d'être presse. Je lui enverrai un mot du bureau. Je suis en retard ce matin, et j'ai une foule d'épreuves à corriger. C'est hors de question, dit Catherine d'un ton ferme. Il faut lui parler, vous ou moi devons lui parler. Nous aurions dû le faire tout de suite. Monsieur Ilbury avait déjà son chapeau sur la tête et la main sur le bouton de la porte. Ses yeux prirent une expression que Catherine connaissait bien pour la lui avoir vue souvent depuis son enfance. Quand il lui demanda de couvrir quelques manquements à ses devoirs, il y entrait tout à la fois de la malice, de l'humour et de la légèreté. Il hocha la tête d'un air entendu, ouvrit prestement la porte et sortit d'un pas étonnamment vif pour son âge. Il y adressa un petit signe de la main à sa flûte et disparut. Restée seule, Catherine ne put s'empêcher de rire à l'idée cette laisse du pays, comme d'âne toutes leurs petites transactions domestiques, et n'avait plus à accomplir la tâche désagréable qui, de droit, revenait à son père.
temps restant dans le livre 11h45 minutes 21,1 IA, 111 RI. X car il n'avait pas fils envie que son père, et il peu près point virgule pour les îles, 111 CS raison, rang et tenir sa meute de l'inconduite de Cyril. Aussi tendu qu'on petit elle citre antiateur juste avant que n'éclate un coup de feu, US apprenant terrain comme l'autre la discussion qui s'ensuivrait. En outre, Catherine n'arrivait pas à se faire une opinion sur cette affaire. Comme toujours, elle voyait quelque chose qui échappait à ses parents, et ce quelque chose l'empêchait de porter le moindre jugement sur la conduite de Cyril. Pour eux, toute la question était de savoir s'il avait bien ou mal agi. Pour elle, ce qui était fait était fait. Quand Catherine arriva dans le bureau, Mrs. Ilbury avait déjà trempé sa plume dans l'encrier. « Catherine, dit-elle la plume en l'air, je viens de m'apercevoir de quelque chose de tout à fait curieux à propos de ton grand-père 3 ans et 6 mois de plus qu'il n'avait à sa mort. Je n'aurais pas pu être sa mère, mais j'aurais fort bien pu être sa sœur aînée, et je trouve cette idée très plaisante. J'ai l'intention de bien m'y mettre ce matin et d'abattre de la besognelle que manquait sa première phrase, en tout cas. » Et Catherine s'installa à sa table, de fit le paquet de vieilles lettres sur lesquelles elle travaillait. Les deux plia distraitement et entreprit de deux chiffres temps restant dans le livre. 11h43 minutes 21.